C'est cette photo des Weasley qui est responsable du retour de Voldemort. Ah oui. Durant l'été 93, Arthur Weasley remporte la loterie du galion. La famille décide d'utiliser ce gain pour rejoindre Bill en Égypte. La Gazette du Sorcier couvre l'événement et une photo de la petite famille se retrouve en une du journal. Vous aurez votre photo en première page. Quelques jours plus tard, Fudge fait une visite d'inspection dans la prison d'Azkaban avec sous le bras un exemplaire du journal qu'il vient de lire. Avant de repartir, il s'en débarrasse en le donnant à l'un des prisonniers, Sirius Black. Une attitude très irresponsable. Lorsque celui-ci pose ses yeux sur la première page de la Gazette, c'est un énorme choc pour le détenu. Après 12 ans de captivité, il découvre avec horreur que la personne responsable de sa peine se cache depuis toutes ces années au sein d'une famille de sorciers et que l'enfant qui le porte étudie à Poudlard avec le célèbre Harry Potter. Pourquoi je suis célèbre ? C'est ainsi qu'il décide de tout tenter pour s'échapper et neutraliser Petit Gros pour protéger son filleul. Malheureusement, Quedevert parviendra à s'échapper in extremis et partira à la recherche de son ancien maître. Par crainte, pas par loyauté. Ce qui mènera aux événements que l'on découvre dans Harry Potter et la Coupe de Feu, donc...